Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de speed opening de booster Force of Will. Je ne sais pas si vous avez vu ma première vidéo où j'ai ouvert le display, j'ai pris le premier tas de 12 et je les ai tous ouverts. Mais là en tout cas, on va faire la suite. Donc mon display est toujours ici. J'ai pris mes 12 paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, et je vous propose de les ouvrir de suite. Et ben c'est parti. Donc comme dans la première vidéo, je vais passer assez rapidement sur les communes Unco, non pas que les cartes soient inintéressantes, moches, etc. C'est juste que voilà, je préfère m'attarder sur les cartes les plus rares. Donc voilà, le dos des cartes qui est toujours aussi fabuleux dans ce jeu là 1, 2, 3, 4, 5 communes. La petite rare délivrée, hop, la petite rare foil, hop, une petite pierre magique foil, deux Unco, hop. Bon, je vais plutôt centrer la vidéo sur les cartes les plus rares, voilà, je laisse de la place ici pour les super rares. Et on continue, hop, 1, 2, 3, 4, 5 communes, la petite rare Bort. Très sympa. Une Memoria du chercheur distant en rare. Une petite commune foil qui est bien sympathique. Et deux peu communes. Hop. Alors, je vais mettre ça là comme ça. Voilà. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, celle-ci est très très jolie aussi. Un petit résonateur vol qui est vraiment assez sympa. Donc j'ai dit 5 communes, rare Melder, dernier des morts, Hadès seigneur de la mort, une super rare foil, hop, donc super rare foil, on va mettre ça ici, une petite pierre magique foil, dis donc c'est déjà la première, la deuxième pardon, pierre magique foil en deux boosters, c'est cool, deux peu communes, ah, dont une qui est un petit peu abîmée, et bien écoutez, je la donnerai à mon fiston. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 communes, la bataille d'Ataraxia, en rare, une autre pierre magique foil, wouh, alors ça c'est plutôt cool, le croco requin foil, alors ça c'est une carte, on peut la jouer en autant d'exemplaires que l'on désire dans son deck, et elle gagne plus de sang pour chaque autre croco requin que vous contrôlez, entre autres. Donc ça, c'est super, super, super cool comme carte. Hein. Les deux Unco, voilà. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 communes. La rare qui est Raphaël, ange gardien. Une rare foil full art, Risa, premier des morts. Elle est sublime. Oh, regardez-moi ça. Ah, ça c'est cool. Kaguya, princesse lapin du Halo. Très 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 joli, en super rare. Hop, deux petites peu communes. Roue du destin, c'est assez sympa ça je trouve. Allez, on continue. Hop hop hop. 1, 2, 3, 4, 5... commune, une rare qui est délivrée, une rare foil qui est filée comme le vent, hop, on va mettre ça ici, une pierre magique normale, deux peu communes. Alors si ma mémoire est bonne, je n'ai pas ouvert de rouleur pour l'instant dans ce display, donc on verra ce que je vais ouvrir, 2, 3, 4, 5 communes, une rare, hop, une rare foil, qui est une carte qui a transfert, et c'est une carte recto verso, très jolie aussi celle-là, rare foil donc, c'est ici, une petite commune foil, deux peu communes, c'est pas cool là mon cadrage quand même, hein. Alors, attendez, je vais essayer de faire une petite manip en direct live. Hop, 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 voilà, histoire que vous voyez quand même,
un petit peu mieux ce qui se passe sur la table. Alors, je suis désolé. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux, non? Hop, 1, 2, 3, 4, 5 communes. Une rare qui est Labo Machine de Léginus ou Léginus, je ne sais pas trop comment on prononce. Une petite pierre magique qui est très jolie, la pierre magique de lumière. Une commune foil qui, ma foi, est aussi super jolie, je trouve. Deux peu communes. Hop. Alors c'est vrai que mes commentaires sur Force of Will, ça se résume très souvent à « c'est joli »,« ah j'ai eu ça, c'est rare, c'est pas rare, machin ». Comme je vous l'ai dit, moi je joue pas au jeu, donc forcément, mon analyse n'est pas très 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 poussée. Une petite rare, une super rare foil full art, Hadès, hop, pierre magique, deux peu communes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors il y a un truc que j'ai pas filmé en vidéo et c'est vraiment dommage. J'ai ouvert pas mal de displays ce week-end. Hier. J'ai continué mes ouvertures de vendredi et samedi. Et je suis tombé sur un God Pack qui contenait que des rares, super rares foils. Donc ça c'est dommage, j'aurais bien voulu vous faire voir ça en vidéo. Mais comme quoi ce n'est pas que des légendes urbaines, ça existe vraiment. Hop, hop, bon, pas de super rare, pas de truc de folie dans ce booster. 1, 2, 3, 4, 5 communes. Très jolie aussi cette rare là. Alice d'ombre, une super rare foil. Ouh. Toc. Une petite pierre magique foil. C'est ici. Deux peu communes. Et c'est le dernier booster. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Commune, une rare qui est Titania, reine orgueilleuse. Une super rare, Mariabella, petite assistante. Une commune foil, le piège avant. Ouais, cool, le croco-requin. Alors ça, c'est une petite peu commune, mais elle va être extrêmement recherchée. Comme je vous l'ai dit, donc, on peut en jouer en autant d'exemplaires que l'on désire dans son deck. Bah écoutez, c'est déjà la fin des 12 boosters, je vais faire une micro-coupure et je repars dès maintenant sur les 12 derniers de la boîte. Donc c'est reparti, voilà, on va prendre 12 autres boosters qui sont les 12 derniers de la boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Regardez si c'est pas un peu magnifique tout ça. C'est quand même beau les boosters, il n'y a pas, c'est que des emballages, mais enfin franchement... C'est juste magnifique. Allez, c'est parti. Toc. 1, 2, 3, 4, 5 communes. Une rare. Eh ben voilà. Machina chercheur ingénieux en full art. Toc. Donc je sais pas si vous saviez. Moi je l'ai su simplement en ouvrant les boosters. Mais dans cette extension là, le recto des rouleurs est toujours le même. Et il n'y a que le verso qui change. Donc je trouve ça assez sympathique. Regardez-moi ça un petit peu. Si c'est pas beau. Oh là là, c'est vraiment, vraiment, vraiment sublime. Alors on va mettre ça avec les super rares. Voilà, bon, c'est pas des super rares, c'est des G-Rouleurs. Mais bon. Une autre super rare. Deux peu communes, dont un croco-requin. Alors je sais pas combien j'en ai des croco-requins. Mais je commence à en avoir. Pas mal, 1, 2, 3, 4, 5 communes, une rare qui est Volga, héritier légitime de Certo. Alors il fait quoi lui d'ailleurs? Pour 2 mana, 400-400, à chaque fois que cette carte reçoit des dégâts, elle inflige autant de dégâts à votre adversaire. C'est plutôt cool ça. Une petite rare foil full art, Melder dernier des morts. Hop, les cartes ombre, donc ombre c'est l'attribut, c'est comme le noir à Magic si vous voulez. D'ailleurs, est-ce que ça s'appelle vraiment ombre? Ténèbres? Ouais, ombre, ténèbres, bon bref. Je trouve les cartes ténèbres vraiment super, super, super jolies. On ressent vraiment le côté sombre et maléfique de l'univers. Alizaris Avatar de Destruction en super rare. De peu commune. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Une petite rare. D'ailleurs, je me suis trompé de pile, voilà. Pierre magique, une petite Unco foil et deux Unco traditionnels. Hop,
1, 2, 3, 4, 5. Rare qui est Risa, premier des morts. Une rare foil qui est Raphaël, ange gardien. Une super rare qui est Valentina. Ici, deux peu communes. Hop. Qu'est-ce que c'est cool d'ouvrir des boosters, franchement. 1, 2, 3, 4, 5 communes. Une rare qui est délivrée. Une rare qui est le Memoria du Conquérant Brutal. Une commune foil. Et deux Zunko. Oups. Ce qui est quand même cool dans ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup de foils, il y a beaucoup de rares, beaucoup de super rares. Et franchement, quand on ouvre un display, on en a vraiment pour son argent, je trouve. On a à peu près entre 2 et 3 rares par booster qui ont fait une moyenne sur le total. Enfin, plutôt 2 rares par booster. Donc c'est vraiment, je trouve, super cool. Wouhouhouhou ! Donc la rare, c'est Bohort, le G-Rouleur, Rezar, sombre nécromancien. Bon, c'est pas de la full art, mais c'est quand même très 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 joli. Puis c'est des rouleurs, donc c'est quand même... Sans les rouleurs, on ne joue pas comme une foil, qui est vraiment super celle-ci, hein. J'adore l'artwork. De Zunko. Donc, c'est terminé pour les rouleurs, on en a eu 2 dans cette boîte, donc c'est le quota. 3, 4, 5, je sais pas si il y en a qui ont eu des boosters buggés avec plus de G-rouleurs dans les boîtes. Golem télécommandé en rare, alors là c'est juste magnifique. Lièvre d'Inaba, une super rare en full art. Alors regardez. Oh là 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 là. Je trouve les textures là, c'est franchement incroyable. Et puis on le sent, la carte elle est. Je sais pas. Ça se sent, c'est vraiment super, super, super qualité. Pierre magique, de Zunko, hop. Alors c'est sûr que quand on voit après les autres cartes, qui sont déjà magnifiques, bon bah c'est du traditionnel, hein. Il n'y a pas le revêtement qu'on aime tant sur les full art. 1, 2, 3, 4, 5 communes. Une rare qui est Melder. Super rare, ah bah tiens c'est marrant, on a eu la version normale. Enfin, la version foil et la version full art. Hop. Je suis en train de tout mélanger, les super rares, les foils, les non foils, les machins. Bon, j'en retirerai après, c'est pas bien grave. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 communes. Une rare, une pierre magique, une unco foil et deux unco. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 communes. Une rare qui est Titiana. Titania, pardon. Gilles Lapis en super rare, poursuivant de l'espace-temps. J'adore ce mec. Je trouve qu'il a un bon chara-design. Et donc voilà les nouvelles cartes recto-verso, les cartes transfert. Je trouve ça assez cool. Hop. Donc super rare normal, c'est ici. Commune foil. Hop. Deux peu communes. J'adore aussi celle-là. Je trouve ça rigolo. Hop. Avant-dernier booster, ça passe juste très très vite. J'aimerais avoir des tonnes de displays à ouvrir. 3, 4, 5. Mais bon, faut bien se fixer un quota. Donc vous allez retrouver rare foil, c'est ici. Ouais, 3 rares dans le booster, c'est cool. Memoria du chercheur distant. Et deux peu communes. Hop, dernier booster. Donc je disais, vous allez retrouver l'intégralité des cartes que j'ai ouvertes dans cette vidéo, mais aussi des autres displays. À l'unité, écoutez, je pense que quand vous verrez cette vidéo-là, les cartes seront déjà disponibles sur le site. Donc comme d'habitude, j'ai essayé de pratiquer des prix qui soient corrects, qui soient justes quand même, mais sans partir dans des cotes délirantes. Voilà. Donc bon, on verra si je réouvre des displays en fonction des stocks qui vont diminuer ou non. Hop. Allez, dernier booster. Bon, ça m'étonnerait que j'ai un God Pack, hein, mais on sait jamais. Et non, pas de God Pack. Peut-être une Uber, on verra bien. 1, 2, 3, 4, 5 communes. Attention. Bon, a priori, pas d'Uber. Hein. Rare qui est Risa. Rare qui est Memoria de Nécromancie Douloureuse. Commune Foil et de Zunko. Bon, bah écoutez, pas d'Uber. Mais bon, vous ne l'avez pas vu en vidéo, mais j'ai eu quand même un God Pack en 6 displays, donc ça fait quand même plaisir d'ouvrir des trucs comme ça. Bah écoutez, je repasse sur la grosse caméra.
Bah voilà, c'est tout pour mon ouverture du super beau display Force of Will A4, la bataille d'Ataraxia. J'espère que cette ouverture en deux parties vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres ouvertures de Force of Will ou de The Spalls. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. N'hésitez pas à me suivre. Vous retrouvez donc tous les produits présentés en vidéo sur la boutique. N'hésitez pas à vous faire plaisir et à soutenir Ludiworld si vous aimez bien ce que je fais. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut !